Cette exposition est une sorte de mariage ou de couple que nous avons souhaité faire entre Pablo Picasso et Louise Bourgeois. I have been really thinking about Louise's relationship to sexuality in terms of her art for many years. But there was an exhibition at the Beiler Foundation that was really the inspiration for this show. And when I saw this sort of dialogue between Picasso and Louise, that inspired me to trying to organize a show bringing these two artists together in a more significant way. And then knowing Marie-Laure Bernadac, who was an expert on both artists, I thought she would be the perfect person to bring these two artists together on this subject. Pour Louise, la maternité est très très importante. Et il se trouve que Picasso aussi, en tant qu'homme, a représenté de nombreuses femmes enceintes et de nombreuses maternités. On est parti de cette idée des couples, de la maternité, mais aussi des rapports entre hommes et femmes, qu'ils soient d'amour, de violence, d'agressivité, et bien sûr inclure la sexualité. Et donc l'exposition s'articule autour de tous ces grands thèmes. C'est un mariage assez étrange, parce que ce sont deux artistes d'une génération différente, qui ne se sont jamais connus, mais qui ont en fait de très nombreux points communs, et de grandes similarités, tant dans leur vie que dans leur œuvre. In a way, Louise is much more of a wounded character. I think in the realm of sexuality, I think she was much more frightened in a strange way, whereas Picasso was much more did what he want, got what he want, regardless of the damages, perhaps, to the people around him in a way. And I think women were his muse and his inspiration, and every time he met another woman, it sort of helped his creativity. And sort of maybe there was another formal sort of aspect of the work that came out of that dialogue with another woman. On voit dans des dessins et dans les tableaux de Picasso que lui-même est toujours actif, même si à la fin de sa vie c'est un vieillard impuissant mais qui représente l'acte d'amour. The body is obviously central to both artists, but I think as it, the bodily aspect of Louise is more from the inside. She's talking about the body from the inside, and I think he's looking at the body from the outside to a greater or lesser extent, I think. You know, Louise always said she wanted to transform a woman from an object into a subject. And I think for Picasso, the woman is more of an object. Et je pense que ses œuvres sont particulièrement émouvantes et bouleversantes. Et la confrontation entre la puissance virile, peut-on dire, de Picasso, sa vision très masculine du corps de la femme, et la vision féminine de Louise Bourgeois, qui représente toujours la femme comme quelqu'un de très fragile, comme quelqu'un qui peut tomber. On voit la fragilité dans les matériaux, dans les couleurs. Je pense que ce contraste sur le même thème est très saisissant. De voir cette exposition enfin réalisée, c'est un réel bonheur et une joie très intense et profonde, parce que c'est quelque chose qu'on peut imaginer, rêver de façon théorique. C'était un projet auquel je pensais dans ma tête depuis longtemps, rapprocher ces deux artistes qui sont un peu comme mes grands-parents. Mais de voir les œuvres, c'est un choc beaucoup plus fort parce que je me suis rendu compte que cette confrontation fonctionnait très 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 bien, au-delà des expériences théoriques ou intellectuelles que j'avais pu avoir. J'ai moi-même été saisie et eu la chair de poule en voyant certaines œuvres ensemble. Et j'espère que le visiteur ressentira la même émotion.